Good morning, allez, dans l'étude aujourd'hui, le Nishmat Abraham, Chayin Orber Ben Fortuné, Mazal, Yedida Bet Esther, Yaakov, Nissim Ben Chana, et Machlouf Micha Ben Masouda. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Ketut, Père Gimel, Mishna Gimel. Vekama Ishe Aochlan, Keilu Achalan Kelayot, Divrei Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, Ad She Ishe, Mitechila Veatsof, Kedei Achilat Pras. Achal ochalin tmeim, veshata mashkin tmeim, shata revit yain venichnas lamigdash, veshaha kedei achilat pras, rabbi Eliezer omer im ifsig ba o shenatan etocho maim kol shehu patur. Une Mishnah qui continue le sujet de la Mishnah précédente, où on apprenait que si on a mangé d'une même espèce deux fois un demi-zaït, c'est-à-dire, je m'explique. On va prendre par exemple un cas de reste interdite ou un cas de reste de corban que l'on n'avait pas le droit, qu'il fallait consommer, et qu'on n'avait plus le droit de consommer parce qu'on avait passé les limites de temps. Il y a un chiouf karet si on en mange. Maintenant, on avait dit qu'il faut manger un kazaït, un volume d'une olive. Question technique, j'ai combien de temps pour manger le kazaït? Je peux manger une petite bouchée tout de suite, et dans 2 heures encore une petite bouchée, et dans 2 heures après une autre petite bouchée. Et puis finalement, il s'avère qu'au bout de 10 heures, j'ai réussi à manger un kazaït. Est-ce que je serais passible de korban, ou même de condamnation aussi, ou bien non, est-ce que je suis limité dans le temps? C'est le sujet de notre première Mishnah, de notre première partie de la Mishnah, qui va me dire, Vekama ishe a ochlan. Combien de temps devra patienter, pourra-t-il patienter celui qui les consomme, c'est-à-dire, combien de temps d'interruption peut se passer pour qu'on considère qu'il a... Est-ce que ça s'appelle une seule consommation ou deux consommations? D'accord, j'ai un peu mal formulé ma phrase, mais en tout cas, je suis resté proche des mots. Mais kama ishe a ochlan, jusqu'à combien patiente-t-il celui qui les mange, pour considérer qu'il mange tout ça, que c'est une seule consommation? Parce qu'une chose de sûre, c'est que si tu as mangé un demi-zaït tout de suite, et 3 heures après, un demi-zaït après, c'est sûr que ça ne s'additionne pas. Alors combien de temps t'as pour que ça s'associe? Keilu achalan kelayot divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous donne un paramètre de temps qui n'est pas tellement précisé, ensuite dans les Mefarshim, c'est dommage, mais qui me dit, tu sais quoi, comme si que tu les manges klayot, que tu en faisais klayot, littéralement, c'est toutes sortes de choses qu'on grille. Ouais, les kalouilles, c'est quelque chose qui est grillé. C'est-à-dire toutes sortes de graines qu'on pourrait griller, des pépites. Imagine que tu prends maintenant ton morceau de viande, tu les frites en petites boulettes, comme des petites pépites, et tu commences à manger doucement. Eh bien, tu prends un kazaït comme ça, tu commences à te chronométrer, tu le manges. Une fois que tu as fini un, tu le prends le deuxième et tu manges. Et tu chronomètres. Ça va te prendre combien? 5 minutes de manger un kazaït? Eh bien, ce temps-là, c'est considéré comme une unité de temps où on considère que tout ce que tu as mangé pendant cette période-là, ça s'additionne. Donc, si tu as mangé un demi-zaït et après tu as fait une longue pause même de 3 minutes, par exemple, j'ai pris à titre indicatif de 5 minutes, mais c'est pas exact, j'en sais rien. Je ne sais pas combien c'est, je n'ai pas fait le test. Et donc, tu prends maintenant, tu commences à manger un demi-zaït, tu patientes par exemple deux petites minutes, et puis après tu manges le deuxième zaït, il sera condamnable. Premier chidouche de Rabbi Meir, il y a aussi un deuxième chidouche de Rabbi Meir, qui est aussi, c'est déduit aussi de la Gemara, qui va dans l'autre sens. Rabbi Meir, il s'avère qu'il a donné à la fois un temps assez réduit, peut-être je continue tout de suite, Rachamim, comme ça on pourra le comparer les deux ensemble. Ça, là, c'est bien connu, ce Chachamim, on le connaît, nous, chez nous, à toutes les sauces, parce que, pour la halakha, il y a des grandes conséquences, c'est qu'on considère comme une seule consommation ce que tu manges, le temps de manger un pras. C'est quoi un pras? Un pras, littéralement, un pras, ça vient de Proussa, comme une tranche. C'est un demi-pain de l'époque, qui était, lorsqu'avec un cave, tu faisais 3 pains, il y a un calcul qui explique, finalement, on se retrouve avec un pain entier, ça fait 8 betsim, 8 œufs. Donc un pras, un demi de ça, ça va faire 4 œufs selon la halakha. Et le Rambam qui pense que ça fait 3 œufs. On a besoin de cette halakha pour des tas et des tas de halakhot. On ne va pas tous les évoquer maintenant, mais juste à titre indicatif, par exemple, même à Pessah, lorsque vous mangez la matzah, il faut se dépêcher de la manger le temps de achilat pras. En l'occurrence, ça va varier de 4 minutes jusqu'à 8 minutes. À Kippour, celui qui doit manger, on va lui dire de faire des interruptions. Entre ouais, celui qui a mangé mais qui peut étaler, on préfère imaginer quelqu'un de malade, il a l'obligation de manger. Mais a priori, s'il a la possibilité de ne pas transgresser l'interdit de la Torah en mangeant, alors on lui dira quoi? On lui dira, ben tu sais quoi? Tu prends par exemple un gros guéret, c'est la limite d'interdit, donc tu prends moins qu'un gros guéret,
Et tu patientes, tous les 9 minutes ou 10 minutes, tu manges encore un petit bout. On préfère que tu manges pendant tout Kippour, toutes les 10 minutes, une petite bouchée, plutôt que tu vas manger une seule fois, 10 minutes, 5 minutes, tu vas te manger tout ce qu'il va falloir. Ouais, pourquoi? Parce que lorsque tu manges un petit peu, et après tu laisses passer 10 minutes, et tu recommences à manger un autre petit peu, et après de nouveau, il s'avère que tu n'as jamais réellement mangé. Baruch HaShem, il n'est pas mort de faim, il a réussi à tenir le coup, sans avoir transgressé l'interdit sur lequel on est condamnable. Est-ce qu'un interdit de la Torah, c'est encore un autre sujet? Chatzishiur, sur la Torah, c'est encore un... On va pas... D'accord, on a déjà donné assez de données. Donc ça, on connaît bien cette limite de Kazayin Birdach et Latpras, comme on connaît aussi. Donc on a dit à Pessah, lorsqu'on mange la matzah, je sais bien qu'elle est dure, elle est désagréable, est-ce que vous voulez, mais il faut se dépêcher de la manger, a priori, en 4 minutes. On dit 4 minutes et on dit aussi 10 minutes, parce que comme il y a plusieurs marlokot en fait dans le sujet, alors à chaque fois, il faut partir selon la Chumra. Donc, en 4 minutes, on essaye de tout faire. 4 minutes, ça implique, pour ça, il y a les techniques, par exemple, de commencer à mâcher, 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 jusqu'à quand on commence à avaler. Dès qu'on commence à avaler, c'est maintenant qu'on commence à enclencher le chronomètre pour avoir les 4 minutes. Donc, il y en a qui se remplissent la bouche complètement de matin, sans avaler, comme ça ramollit bien, et puis après, d'un coup, ils commencent à la faire descendre, et c'est sûr qu'ils ont réussi à manger ça rapidement. Enfin, on revient sur le vif de notre sujet. Je commence à partir de Rabbi, de Chachamim, qui ont une limite de temps nette, qu'on connaît bien. Le temps de manger un pras, ça dure X temps. Ça dure. Alors, on va dire 8 minutes. D'accord? Donc maintenant, ça inclut deux halakhot dans ça. Ça inclut que si tu vas manger à la première minute, tu manges un demi-zaït, et 7 minutes après, tu manges le deuxième zaït, il sera condamnable. Mais ça implique aussi que s'il a pris le même zaït, il ne s'est pas arrêté de manger pendant une heure. Une miette, et une miette, et une miette, il s'avère qu'il va dépasser le temps. Le temps requis pour considérer qu'il a fait une seule consommation et il sera dispensé d'apporter un korban ou s'il était bémézi, il ne sera pas chayav mita, il ne sera pas chayav malkout, il n'y aura pas de riou dans un cas pareil. Selon Rabbi Meir, je reviens maintenant sur Rabbi Meir avec l'histoire des petites boulettes et que tu en fais des pépites, ça implique deux choses. Il y a un temps pour les pépites, premièrement, que je ne sais pas de combien il est, ça n'a pas été précisé si c'est une limite inférieure ou supérieure à celle de Chachamim, j'imagine qu'elle doit être inférieure, qu'elle doit faire 3 minutes. Par exemple, et donc, premièrement, dans ces 3 minutes-là, tout ce que tu vas manger, même si tu marques une petite option au milieu, eh bien, tout s'additionne. C'est vrai. Mais il y a aussi le cas, la réciproque aussi, qui est un grand chidouche, c'est que si tu fais réellement des pépites, et tu débrouilles pour manger pendant 2 heures, doucement, doucement, mais tu t'arrêtes pas de manger, tu fais que ça. Et tu prends ce même zaït et tu l'étales pendant 2 heures même, s'il y a assez, eh bien, selon Rabbi Meir, il sera condamnable, alors que Ramim le dispensera. D'accord? Vous retenez qu'il y a 2 chidouchim? Une limite qui vient restreindre, qui vient te dire, tu dois, si tu t'interromps réellement, tout doit être condensé dans un X temps. Mais si tu ne t'arrêtes pas de manger, tu pourras étaler beaucoup plus longtemps le temps. On a fini avec la première partie de la Mishnah qui évoque donc le temps requis pour associer le Zaït. En réalité, ce temps de consommer un pras, d'une demi-tranche, un demi-pain, eh bien, on le retrouve encore dans d'autres halakhot qui sont évoqués tout de suite. Achal ochalin tmin, celui qui a mangé des aliments impurs. Un Kohen qui mange un aliment impur, s'il va manger une certaine quantité qui va être Khatsi Pras, la moitié du Pras, la moitié de la moitié, un quart de pain, d'accord, d'aliments qui étaient impurs, alors il ne pourra plus manger de la Trouma. J'explique peut-être une petite notion auparavant. Devenir impur, c'est tout un monde, comment est-ce qu'on devient impur. C'est pas si je touche un pain qui est impur, je ne vais pas devenir impur. Il y a des halakhot, qu'est-ce qui communique impureté? Il faut que ce soit Dafka, Adam, Vekelim, mais pas Ochlin ou Mashkin. D'un aliment ne me rend pas impur, mais Natora, mais des Rabbanan, c'est un peu plus complexe. C'est très vaste. D'accord? Donc il s'avère qu'en réalité, lorsque je vais prendre, lorsqu'un Kohen va prendre une pomme qui est impure, il va la manger, en théorie, il n'est pas impur. Mais s'il va manger maintenant une quantité de plus de 1/2 pras, donc si un pras, ça fait 4 œufs, donc c'est un volume de 2 œufs, il a mangé 2 œufs, un volume de 2 œufs, d'impureté, eh bien, il n'a plus le droit de manger la trauma, il devra aller son pomme attendre le soir. Je crois qu'il faudra attendre le soir, je ne suis pas sûr de mon coup, je ne préfère pas m'avancer plus. En tout cas, il a une impureté, il ne pourra plus manger de la trauma en état. Ok? Premièrement. Et idem aussi s'il a bu des liquides impurs. Il a bu de l'eau, aussi un révite d'eau. Ou encore, autre peut-être que je fais une petite pause tout de suite et je vous donne la halakha, puis après on va voir sur le deuxième cas. Dans ces deux cas de figure, la Mishnah va m'enseigner que sache que, regardez, je saute la petite phrase, et il y a marqué Veshak et Achilat Pras. Il a patienté le temps de manger ce même pras. Donc,
De nouveau, tous les aliments interdits de la Torah, ou les aliments qui vont être impurs de la Torah, ou encore l'autre cas qu'on va voir, c'est celui qui boit du vin qui rentre au Beth-Amikdash, on va arriver dans quelques secondes. Eh bien, dans tous ces temps-là, sache que tu es toujours limité avec cette unité de temps de achilat pras, le temps de manger un demi-pain qui dure, on a dit, 8 minutes, 9 minutes. Eh bien, tout ce que tu vas manger à l'intérieur de ça, ça s'appelle que tu as mangé. Donc, si tu as mangé deux beitza, un beitza d'impureté, et puis après, 5 minutes après, un deuxième beitza impur, deuxième taille d'œuf qui est impur, d'aliments impurs, eh bien, son corps il est devenu impur. Tandis que s'il a mangé un beitza tout de suite, et puis un quart d'heure après, il mange un deuxième beitza, il ne sera pas impur. D'accord? Idem donc avec aussi s'il a bu des liquides, c'est un vaste sujet, ça aussi, c'est encore une autre histoire, ça touche au liquide, vous savez bien que lorsqu'on veut manger pour manger, pour faire la mikhia, si on mange du gâteau, eh bien, si tu as mangé un kazeït, le temps de manger la khilat passe en 8 minutes, tu devras faire la mikhia. Tandis que pour boire, vous savez bien qu'on est mahmir, qu'il faut boire uniquement tout de suite. Celui qui boit par à coup, doucement, doucement, et qui tire sa boisson plus que le temps requis pour boire un revit, eh bien, il devra pas faire boire une fachot. Là, cette mishnah ne va pas, selon cet avis. Rabbi, le Rambam, il pense différemment. De là, apparemment, parle le gros sujet de l'Ilchot Brachot, par un petit peu, partiellement, au moins de là. Ok? En tout cas, donc la Mishnah, en l'état, elle m'enseigne. Sache que même aussi, lorsque tu vas boire des liquides impurs, eh bien, si tu as bu, maintenant, tu vas prendre un revit, un verre de... un petit verre de kidouche, peu importe, et tu bois, et tu patientes, et tu bois, et tu patientes, si tu as réussi à ingurgiter le revit en moins de 8 minutes, eh bien, il est devenu impur. Ok? Il y a encore le cas que j'ai sauté, qui est, à présent, Shata revit yain venichna samigdash. Il a bu un revit de vin, et il est entré au Beth Amikdash. Il y a une halakha, il y a une veshechar al tesht, il y a marqué dans l'histoire, dans Parashat Shmini, après la mort de Nadav Aviou, Hachem s'est dévoilé à Aaron, et lui a donné la mitzvah de ne pas, de shtouye yain, ne pas entrer au Beth Amikdash lorsqu'on a bu du vin. D'accord? C'était entre autres, notamment, une des fautes de Nadav Aviou, et d'avoir bu du vin et d'être entré vers la voûte au Beth Amikdash. Shtouye yain, celui qui a bu du vin, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. De nouveau, il y a aussi des limites, il y a des mesures. Ce n'est pas une goutte de vin qui va t'invalider. C'est de boire un revit. Mais aussi un revit dans ce laps de temps de achilat pas, le temps de manger un demi-pain. Ok? Sur ça, on a maintenant Rabbi Eliezer qui vient me dire, Rabbi Eliezer Omer, il vient apporter une précision. Il ne discute pas sur tout ce qu'on a dit. Il apporte juste une notion importante. Imif Sigba, si c'est interrompu, c'est-à-dire, il y a une discussion sur ça spécifiquement. Le temps de boire un revit. Pour Rabbi Eliezer, le revit, il faut le boire d'un trait, pour que ça rende sous. Le principe, c'est que si tu as bu une quantité de vin qui va te faire tourner la tête, tu n'as plus le droit de rentrer au Beth-Amikdash. Cette limite-là, elle est fixée à partir de un revit. À partir de un revit, 86 centilitres, alors on a un petit peu plus frais dans la tête. On n'est plus assez net, objectif, on n'a plus le même covet de roche, le même sérieux. Alors, d'accord? Donc, à partir d'un revit, on n'a plus le droit d'entrer au Beth Amikdash pour servir au Beth Amikdash. Selon Rabbi Eliezer, c'est à condition que tu le boives d'entrée. Mais pas si tu t'interromps. Le Bar Tanoura nous précise que si tout. Ça, c'est que quand tu bois juste un revit. Mais si tu bois plus qu'un revit, on va boire deux revit même. Même si tu vas boire un quart, plus un quart, plus un quart, plus un quart, et tu t'arrêtes à chaque fois une petite minute entre les deux, tu les interromps. Si dès que tu vas boire un revit, au total, qui va s'additionner dans la chalet de passe, et que tu as bu en plus, d'accord, donc on aura bu aussi une quantité de qui va invalider d'entrer au Beth Amikdash. Idem aussi, s'il a cassé son vin avec un peu d'eau. S'il a coupé son vin à l'eau, il ne précise pas de quantité de nouveau, mais il a coupé son vin, il a mis de l'eau dans son vin. Il s'avère que ce vin, maintenant, même s'il y avait un revit et qu'il a mis de l'eau dessus, ce revit ne fait plus tourner la tête. Donc, s'il entre au Beth Amikdash, il ne sera plus passible. Il n'aura plus transgressé l'interdit de Shtouya Yain, celui qui est entré un peu frais au Beth Amikdash. Maintenant, de nouveau, c'est à condition qu'il boive juste un revit. Mais s'il a pris plus qu'un revit et qu'il a mis de l'eau dedans, ça fait quand même tourner la tête. Et dans ce cas-là, il sera aussi passible. Il aura transgressé l'interdit d'entrer au Beth Amikdash pendant qu'il est Shtouya Yain. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.